fermer yeux nous. Céleste Père, en Jésus-Christ, Papa nous qui vit dans le ciel. Nous bénissons, nous disons merci Seigneur pour grâce, merci pour amour, merci pour fidélité. Ou grand, ou fidèle, ou réel, Père. Matin, côté nous t'a étudié parole du Seigneur, et quand on t'a demandé pour Timounio, respecter parents, comme ça on va bénir et on va vivre longtemps. Mais nous présenter devant, côté nous commencer avec service d'adoration du Seigneur. Nous demandons au Seigneur, on va nous connaître présent sous là depuis le matin. Seigneur, on va toucher chaque grain de monde qui fait déplacement, qui vous vient chercher dans présent et matin, Seigneur. Mais vous agenouillez dans le pied, Seigneur, vous prosternez. Côté Seigneur Dieu, il y a des problèmes, malgré des problèmes différents. Seigneur, mais nous connaissons capables. Vous connaissez même qui est dans le lieu secret. Vous connaissez, Seigneur Dieu, chaque samoun capable de demander. Ta demande au Seigneur va passer visiter dans la minute ça. Seigneur Dieu, avec nous. Parce que nous connaissons nous tous seuls. Nous ne pouvons rien. Ennemi en cafofil est capable d'entrer dans la nous. Mais nous connaissons avec le sang de Jésus. Nous sommes capables de chasser loin de nous-mêmes. Parce que nous connaissons son sang. Seigneur Dieu qui est capable de laver, qui est capable de purifier, qui est capable de chasser l'ennemi. Car nous connaissons avec force ça que nous gagnons nous-mêmes. Parce que nous connaissons, nous acceptons comme sauveur personnel. C'est sans ça qui lave nous. C'est sans ça qui purifie nous. C'est sans ça qui retire nous dans le vieux péché qu'on nous taille et qui mette nous, qui bat nous la vie, qui bat jambes finies. C'est à Dieu nous présenter chaque grain de monde qui devant, chaque grain de monde qui est malade. Même Jean-Saël nous te dit, c'est l'imana, frère dit qui va capable là, nous lever devant au Seigneur. Et tout l'autre monde qui est malade, qui est sous cabane de l'hôpital, c'est à Dieu qui est maladie et qui a porté nous aller, Seigneur. Et qu'on y a une minute ça, chaque grain de monde qui a mouru. Mais Seigneur Dieu, nous levons chaque grain de monde qui est malade devant matin. Nous levons devant Seigneur Dieu, on va visiter. On va toucher au Seigneur, qui est malade, qui est serviteur, qui n'est pas présent. Mais on va toucher, et on va jouer une guérison. Car nous connaissons Seigneur Dieu, leur toucher, mais ben nous sommes capables de guérir. Et on relève Dieu de guérisseur. Ou quand on compte guérir, et on est toujours capable de guérir. Et Seigneur Dieu, nous remettre tout le bagage dans main. Mais si nous avons mené nous, nous demandons au Seigneur, on va toucher, Seigneur Dieu, faire choisir un chant pour capable chanter pour bonne gloire. Nous remettons toute bagaille dans le monde. Parole pour parler, Seigneur. Nous remettons serviteur dans le monde qui va porter message, parole. Nous demandons, on va retirer lui-même dans lui-même. Et on va déshabiller avec le chant et le sang et la chair. Et on va mettre le sang sous du Saint-Esprit dans lui-même. Afin que parole lui va parler. Ce n'est pas parole pâle, mais c'est parole qui va sortir directement de vous-même. Nous remettons pasteur Brutus côté lié à Namon. Et Seigneur Dieu, nous demandons de passer visiter, toucher serviteur et avec lui. Et permettre qu'il soit capable de retourner en bien sans aucun mal et accident va arriver. Et chaque grand monde qui fait déplacement, Seigneur, on va toucher et on va permettre de retourner. On va joindre nos paroles, aux paroles de guérison, aux paroles qui sont capables de permettre de vraiment sauver. On parole capable de réconforter parce que nous connaissons. Il y a un qui est découragé. Il y a un qui est en prison qui ne sait pas comment il est capable de libérer. Mais Seigneur Dieu, qu'on libère, on va faire grâce, Seigneur. Et on va libérer l'autre qui est en prison innocent, qui est libéré. Nous demandons de nous grâce. Et Seigneur Dieu, l'âme lumière cet esprit-là, éclairer l'église, éclairer chaque grain de monde, toucher chaque grain de monde qui est là. Qui est malade, qui peut qu'on connaît. Mais Seigneur Dieu va toucher eux. Et avec toucher ça, on va guérir au nom de Jésus. Et permettre l'église de triompher. Permettre nous porter victoire sur l'ennemi. Et sans, Seigneur Dieu, va y une bénédiction pour chaque grain de monde qui accepte comme sauveur et maître. Nous va prier en qualité de monde qui est bon. Dans le nom de Jésus, petit tout cas, vu qu'à prendre, pas non seulement pour Kounia, mais pour tout le temps et pour toute l'éternité que nous prions. Amen. Mettez-nous debout pour nous lire Psaume 46, que tout le monde connaît. Psaume 46, à la gloire de Dieu. Il
qui dit tout le monde connaît son ça. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Tout le monde connaît. Et Dieu est en nous ensemble à la gloire de Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu des chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une retraite. Parole du Seigneur. Amen.